Kérosène Boulevard, équilibre. Et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde, de Yokougon à Monaco. Quand y'a rien de béni, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. C'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. C'est le temps. Petit à petit, force pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait me. Bonjour, je m'appelle Fofana Saindou. Je viens de Mankono. Si tu paradis, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu. Fof, d'abord c'est mon nom, Fofana. Graphique, ça veut dire l'art d'imprimer. Donc Fofana, graphique. Donc ça fait l'art d'imprimer, c'est graphique. Fofana, c'est mon nom. Donc j'ai collé les deux pour pouvoir donner quelque chose de positif à au nom de mon entreprise. Il pense que bon, c'est la vie, c'est la vie. Et puis bon, c'est pas la première fois que je me suis rendu quelque part. Je suis allé accompagner un cousin qui faisait ce métier. De la manière dont il s'y prenait, ça m'a beaucoup façonné, ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis engagé auprès de son patron, dit que non, je voulais aussi apprendre le métier. Il a accepté, je suis resté avec lui. Et après, bon, je suis allé avec quelqu'un d'autre. De là-bas, je me suis retrouvé dans une autre société. J'ai appris et puis après, bon, je me suis dit pourquoi ne pas perfectionner mon art. J'ai fait un tour au Beaux-Arts, c'est-à-dire l'INSAC. J'ai fait un tour là-bas. Et puis bon, j'étais installé à Djamé, en train de me débrouiller peu un peu, puisque j'avais l'amour de la chose. Je voulais avancer, je voulais réussir. Je voulais forcément réussir dans ce métier parce que c'est vraiment de l'art. Vraiment de l'art, c'est l'expression sur l'étoffe. Il y a de l'amour dedans, il y a de l'amour. Mon parcours de DJ m'a trouvé déjà dans le métier. Hein. La nuit, je partais faire l'animation. Matin, je partais au travail. Parce que j'apprenais. DJ, c'était un truc de passage. J'étais encore jeune. Et puis bon, je voulais m'amuser. Et puis bon, c'est tout. Sinon, ça m'a trouvé dans le métier d'imprimeur. Bon, ici, nous faisons l'infographie, l'impression sur l'étoffe, ça veut dire tout ce qui est tissu, tout ce qui est pagne, tricot, casquette, sac. Bon, typo non, mais tout ce qui est impression en tout cas, sur du tissu. Oui. Mais j'ai des amis qui ont construit, qui ont. Mais de toute façon, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. En tout cas, ça fait vivre ma petite famille. J'arrive à m'en sortir, à aider d'autres personnes s'il le faut. Donc, ça nourrit son homme. Mais bon. Je ne suis pas encore au sommet, mais ça va. Dieu merci. Oh oui, il faut pouvoir gérer ça parce que souvent il y a des clients qui sont compliqués.
très très compliqué, surtout quand il y a une erreur qui se trouve déjà sur un R ou bien un T qui manque quelque part. Non mais tu rembourses carrément, hein. Tu rembourses carrément, donc c'est la difficulté. Mais sinon moi j'ai mes règles. Donc ça fait que j'ai pas, en matière d'argent, j'ai pas trop de problèmes avec mes clients. Ah, il faut dire que le scoutisme, vraiment, depuis 12 ans je suis scout. J'ai été louveteau, éclaireur, routier. Le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a motivé à réussir d'abord dans la vie, à mes pattes. Ça m'a donné l'envie même de vivre, l'envie de pouvoir aider d'autres personnes, puisque c'est la vocation du scoutisme. Ça m'a éduqué. Dans le quartier où je suis né, vraiment, ce n'était pas un quartier où on pouvait sortir avec l'éducation net, parce que les jeunes, c'était des jeunes de 20 ans, braquaient, fumaient des drogues. Mais avec le scoutisme, ça m'a mis à l'abri de tout ça. Parce que je vois vraiment dessus. Et la motivation du scout, vraiment, c'est inexplicable. Chéri Coco, si les autres sont... Bon. Vous savez, on est tous allés à l'école, hein, mais on n'est pas appelé à réussir forcément à l'école. Donc on n'est pas forcément appelé à aller s'asseoir dans un bureau pour être subventionné par l'État. Mais je pense que ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'as. Tu ne mourras pas cette terre tant que Dieu ne t'a pas donné ça. Il faut y croire et il faut se donner de remplir ça. Il faut te fixer des ambitions, des objectifs et il faut être combatif. Vraiment, moi j'encourage les jeunes, s'ils doivent apprendre un métier, qu'ils se donnent à fond, parce que c'est au bout du tunnel qu'on va, on va la réussite. Donc je pense que s'ils se donnent, se battent avec la grâce de Dieu, ça ira. On sait qu'on ne peut pas devenir tous riches, on ne peut pas aussi devenir tous pauvres. Mais il faut qu'on croit un peu à ce qu'on fait. C'est important. Et c'est ça. Elles s'en vont pour te laisser, tu dois pas te décourager.